Chai a révélé aux journalistes qu'il n'était autre que le père de Pana Khlatkemok, étudiant en dernière année à l'école supérieure des ingénieurs de Bangkok. Som Chai a expliqué que son fils s'était engagé dans une expédition photographique dans la jungle. Depuis le jour du départ, la famille de Pana n'a plus aucune nouvelle de lui. Je n'ai vu personne. Ça, c'est sûr. Personne. Non, on n'en a pas la moindre idée. Non. On a et vu puis personne si ici, bien, on aurait fini par le savoir. C'est vrai. Non, rien. Rien du tout. Vous n'avez pas vu le conducteur? Non, ça fait 4 heures que le véhicule est là, non. Et vous ne savez pas où est-ce qu'il a pu aller? Non, désolé. Non. Aucune idée. Ces étudiants ont eux aussi disparu alors qu'ils étaient partis à la recherche de leur ami. Disparus lors d'une expédition photographique dans la jungle il y a une semaine de cela. D'après les villageois, personne ne les aurait vus sur place. Maman, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Allô? Parlez plus fort, j'entends rien du tout. Qui est à l'appareil? Ça a sonné? Allô? Allô, Koi? C'est Pana au téléphone.
Hey, comment ça va? Corey, écoute, c'est important. Va falloir que tu me donnes un coup de main. Salut, beau gosse. Hey, Pana, ça peut attendre? Je vais devoir te laisser, non, s'il te plaît, ok? Corey! Eh ben, qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? À ton avis, Corey. Salut! Ouais. Eh ben, c'est là où tu crèches, c'est assez sympa. Faites comme chez vous, les filles. C'est gentil d'être venu. Je vous sers quelque chose? Somcha et Klatkemok a présenté à la police les papiers du véhicule pour démontrer qu'il en était bien le propriétaire. Un fait confirmé par les inspecteurs en charge de l'enquête après authentification. Le véhicule a donc été remis à Somcha aujourd'hui même. Allô, Prae? Oui, c'est moi, Kin. Tu es devant les news? Oui. On pourrait se voir aujourd'hui? On va parler... de Pana. Je ne peux pas t'aider. Moi aussi, j'imagine le pire. Je suis persuadé qu'il n'est pas mort, Prae. Ok, alors on se voit demain. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est d'accord? Hier soir, Koi m'a dit qu'il avait reçu un coup de téléphone de Pana. Pas vrai, Koi? Si. Il m'a appelé la semaine dernière. Mais je m'en suis souvenu qu'en regardant les news hier soir. Et t'attendais quoi, hein? C'est pas vrai, c'est seulement maintenant que tu nous racontes tout ça? Hein? Et Koé, ta maman arrive. Dis-lui bonjour. Salut, c'est quoi cette réunion? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, on fait des messes basses dès que j'ai le dos tourné? Comment ça va? Je vous ai cherché partout. Je suis morte. Ce sont pas des messes basses. Fallait qu'on parle d'un truc, c'est tout. Oh, tu parles. C'est à propos de Pana, Zida. Ouais. Faut qu'on parte à sa recherche. Je suis sûr qu'il a besoin d'aide. Merde, Pana est notre ami, vous avez oublié? Ok. Et tu comptes t'y prendre comment? Parce qu'au cas où tu le saurais pas, cette jungle est immense. Pas de soucis. On cherchera du ciel. En volant. Exact. En montgolfière. Hein? T'es malade, Kin. Qu'est-ce que t'attends, Koi? Monte vite avec nous à bord. Bye. Allez, bye. C'est plus drôle qu'en avion. Hors de question. Partez sans moi, allez. Bonne chance. Et essayez de revenir en un seul morceau. Merci, on fera ce qu'on peut, d'accord? T'es vraiment sûr de vouloir rester au sol? Les gars, si vous avez envie d'une pizza, je vous l'enverrai, d'accord? D'accord. Mais pourquoi il vient pas avec nous? À mon avis, il doit avoir le vertige, tu le connais. Je m'occupe de tout, d'accord? Tu vois, on sait jamais. Ici aussi, il peut nous être utile. Hé, Koi, tu serais gentil de surveiller ma voiture? Et pas de filles à l'intérieur, tu me le promets? Personne ne montera à bord, promis. Toujours aussi serviable. Ouais. Allez, on décolle. On peut y aller, ouais. C'est parti. On devrait mettre plus ou moins 3 heures avant d'arriver. Le vent est favorable. Comment tu sais tout ça? Tu sors d'où, toi? C'est pas vrai, enfin, certes. Tu sais pas qui était le paternel de Kin? Non, aucune idée. Il est à la ramasse, celui-là. Son père était pilote, sale blaireau. C'est grâce à lui que Kin a fait des heures de vol, tu vois.
Mais il a eu un accident d'avion il y a 2 ans de ça, tronche de cake. Ça alors? Je suis désolé qu'il ignorait toute cette histoire. C'est pas grave. Koé, tu as parlé de mon père et le vent tourne. Tu t'en rends compte? Alors? Le vent souffle trop fort ou quoi? Mais non, au contraire. Plus le vent souffle, plus on va vite. C'est mathématique. Enfin, je crois. On prend de la vitesse. Pas trop de mal? Où est-ce qu'on est? Tu t'es fait mal? Non, ça va. Ça y est. Plus de peur que de mal. On peut descendre. On est arrivé. On est accroché à ces branches. Il va falloir redescendre. Reste pas assis comme ça. Allez, on bouge. Allez, debout. Oh non. On y va? Allons, courage. Comme on dit, une pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. De quelle pomme tu parles? Ah, très drôle. L'avion de son père s'était crashé, c'est bien ce que tu m'as dit. Hein? C'est une tradition familiale chez eux. Hey, Kin, attends. J'y vais aussi. Doudou, descendez un par un. Sur la droite, c'est plus facile, d'accord? Ok, tout doucement, vas-y, vas-y. Tu viens de la trouver? Eh ben ça alors. Elle était peut-être à Pana? Ben tu parles d'une coïncidence. Vous avez vu? On est tombé pile sur le sac à dos de Pana. Tiens, Prae, t'as qu'à l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allons, tu sais que Pana serait d'accord.
Mais t'attends quoi? C'est juste son sac à dos, ça va. Il a raison. C'est bon, je l'ouvre. C'est quoi ce machin? Ouh. Eve, venez voir par là. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Pana a dû faire une halte ici. Ça veut dire qu'il ne doit pas être très loin. Mm-hmm. On va le trouver. C'est bien beau, mais pourquoi il a laissé ses affaires? D'accord. Vous connaissez ce fameux livre? Il s'appelle Notion de survie en jungle asiatique. Je l'ai lu deux fois. À mon avis, il a dû se perdre à force de tourner en rond. Je le savais. Vous avez vu ces ronces? Imaginez-vous qu'il ne sache plus par où aller. Il essaie d'aller dans cette direction. Et il se retrouve bloqué entre ces ronces en essayant de suivre son chemin. C'est ça. Bien joué. Garde la bouteille. Allez, en route. On peut savoir où on va? Fais-nous confiance. Attends, Kin. Moi, je disais ça comme ça. On fait peut-être fausse route. Et puis, il commence à faire nuit. Ça va. J'en peux plus, là. On devrait monter le camp ici. Je crois qu'il va pleuvoir. Le ciel est tout noir. Stop. Attendez. Vous avez entendu? Écoutez. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a eu un bruit. Une rivière. Ouais, c'est vrai, je l'entends moi aussi. Laissez-moi écouter. Ça y est, je dirais que ça vient de là-bas. On dirait, oui. Venez. Juste là. Ce livre est génial. Je savais que je faisais bien de le lire. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? S'il y a une rivière, il y a forcément un village pas loin. Tu vas la boucler à la fin? Il n'y a pas de village à l'horizon, regarde. On est en pleine jungle, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, c'est pas une raison pour me cogner sur la tête. Et regardez, là, il y a quelqu'un, regardez! Où ça? Où ça? Là! Je vois rien du tout, Zida. Enfin, je vous dis que j'ai vu quelqu'un là-bas, il secouait les mains comme ça, comme pour nous dire de rester où on est. Tu rigoles, tu me fous la trouille, arrête! Eh, ça veut peut-être dire qu'il y a un village juste ici, non? Oui. Cette fois, il a raison. Peut-être qu'on continue. Allons trouver ce village. Hé! Hey! Merde, il pleut, là! Il faut continuer, les gars! Ok, alors en route, j'aime pas ça. Très bien, les amis. On avance sans regarder en bas. On continue. Quel temps de chien. Tu l'as dit. Je suis trempée. Hey, vous avez vos torches? Ouais, une seconde. Hé, hey, Koé, je crois que j'ai oublié la mienne. Ah ouais? Ouais. C'est dommage. Attendez, j'ai peut-être oublié ma torche, mais j'ai ça. Le voilà. Vous avez vu? Un 9 mm. Cool, hein? Recule ou t'es mort, recule! C'est celui de mon père, il s'en sert jamais. Qui sait? Ça pourrait être utile. Mieux vaut être prudent. Avec ça, au moins, on est en sécurité. Bien plus qu'avec une torche. Ouais, avec moi, vous ne courez aucun risque.
Non. Merde. À votre avis, c'est quoi ça? Plus de lumière. Venez, on devrait continuer. D'accord. Vous voulez qu'on entre là-dedans? Allez. Ici, les recherches continuent et un avion survole la zone depuis maintenant plus de 2 jours. Les civils ne cessent de se présenter dans le parc pour se porter volontaires pour aider les forces de l'ordre. C'est donc l'effervescence ici au parc national de Kouaiyai où les habitants des villages environnants ont dû braver leurs peurs les plus profondes. En effet, on croit ici qu'une malédiction planerait sur la jungle. Pourtant, entre l'angoisse et la bonne volonté, les opérations doivent avancer. C'est vraiment pas la peine de vous fatiguer. Il n'y a pratiquement aucun signal. Et vous plaisantez ? C'est un portable tribord de dernière génération. Désolé, mais ça ne vous suffira pas, jeune homme. Cette vallée est beaucoup trop encaissée. Impossible d'établir la moindre connexion. Un tribord, avec son gadget, il ira pas loin. Pas de signal? Bah pourquoi? On appelle ça une torche. Mais évidemment, si vous n'avez pas lu le livre, vous ne pouvez pas le savoir. En attendant, je me demande ce qu'elles font là. Tu te demandes ce que... Ouais. Ah. Bon, bah de toute évidence, elles doivent appartenir aux villageois. Failli me tuer! Mais t'es con ou quoi? Trouillarde. C'est ça, vraiment oui. Pas drôle. Bon. Alors, vous avez vu quelque chose ou quoi? Regarde, ce sont des représentations de Bahema Prao et Gandunia. Ah. Prae est situé en Matsup alors. Comment tu peux savoir tout ça, hein? Les bandes dessinées. On dirait une scène de chasse. Comme si les dieux avaient aidé à repousser un terrible danger qui menaçait la jungle. Hé hey, vous devriez voir ça! Faites vite! Waouh! C'est Médusa. Hé, Koé, vas-y, accouche. Toi aussi, tu lis des bandes dessinées à longueur de journée, non? Tu vas la fermer. C'est l'impératrice Soma. Dis by my pro, et l'impératrice Soma, c'est la même déesse. Je suis persuadée que c'est l'impératrice Soma. Mais pourquoi ces serpents sur sa tête? Selon les légendes antiques, l'impératrice Soma est la fille du serpent mystique. Alors cette fois, ça y est, on va devenir riche.
Va voir ça de plus près. C'est une sculpture impressionnante. Vas-y. Tu crois que cette coiffure irait? Vas-y. Ouais. J'en doute. Incroyable, oui. Hé, Koé, où tu vas? Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est de l'or jalicine! De l'or? Koé, ne touche à rien! Ouais! Tu te fous de ma gueule? Je te dis que c'est de l'or, Prey! Viens voir toi-même! Certes, approche, tu verras, c'est de l'or! De l'or! Koé! Plus un geste! Dégage! Viens, allez! Recule! C'est quoi ton problème, Ki? Reviens! Oh. Il t'a mordu? Ça va? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas faire gaffe? Fais chier! Quel con! Désolé, Prey. J'aurais dû t'écouter. C'est de la faute à sœur. Oh, ça va, je t'ai pas forcé à y aller. Je voulais juste savoir si c'était de l'or. Ben, t'avais qu'à y aller toi-même. Ça t'apprendra à prendre des décisions tout seul. Tu m'obéiras si je te dis de sauter dans le vide. Tu commences à me saouler, toi. Hein? Tu me cherches, là, ou quoi? Hé, Koé, tu veux t'en prendre à moi? Allez, viens, je t'attends, là. Viens il là. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, ce ça suffit, vous c'est deux. Pas du plastoc. Koé. Tu veux que je te le prouve? Fermez-la. Koé, garde ton sang-froid, ça va. Hey, ah, arrête! Attends! Ça va maintenant! Ça suffit, tous les deux, c'est bon maintenant! C'est lui qui me cherche! Koé, viens par là! Zida, séparé! Sale crétin! Allez! Garde ton calme, ça va! Peu importe de savoir qui a raison ou qui a tort, quand je te dis d'arrêter tes conneries, tu devrais m'écouter! Mais je me suis arrêté! C'est lui qui a continué! Il faut se serrer les coudes, on est en pleine jungle! C'est pitoyable, on va se battre entre nous! Zida? Qu'est-ce qu'il y a? T'as une crise d'asthme? Ton inhalateur. Merde, tu dois bien savoir où il est. Non. Ma poche est déchirée. Ça va aller, Zida? C'est ma poche. Hein? Il a dû tomber, il doit pas être très loin. On va sortir. Doucement, d'accord? Dodo, Dodo. On y va. Je sais pas ce que vous en dites, mais à mon avis, c'est pas normal ce bruit. Allez, cassons-nous d'ici. Cet endroit me colle la chair de poule. Allez savoir ce qui bouge comme ça dans l'obscurité. T'hallucines, arrête. Allez, viens! Ok, je crois que c'est par là. On devrait économiser les piles. Quelle horreur, ce serpent! J'avais jamais vu un truc pareil, moi. Maintenant, on sait ce qui est arrivé à Pana. Il s'est fait bouffer par ce monstre. Ferme-la. Excuse-moi, il faut qu'on réfléchisse, je ne veux pas que ça nous arrive. On ne devrait pas rester là. Allez, viens.
Je me demande où Kin a pu passer. À moins que... Ça suffit! Désolé. Hé, hey, Kin! Tu m'entends? Où es-tu? Prêt? Essayons de trouver la sortie, on verra ce qu'on fait ensuite. Je suis sûr que Kin fera la même chose. Allez, suis-moi. Koe, je vois que t'es rancunier, mais c'est pas le moment. C'est bon, oublie ça. Je m'excuse, ça te va? Je te demande pardon, ok? Quel con! Bouge vite ton cul! Ah, je vois! On continue à m'insulter! Attends! Derrière vous! Le serpent est derrière vous! Ah. Ah. Sac. Vite! Foutez le camp! Vite! Au secours! Suivez-moi! Faut pas retourner, surtout pas! Il est derrière nous! Vite! Il a peur du feu. Zida! 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 Zida, où es-tu? Zida! 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 Eh oh! Zida! 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 Manuel de survie dans la jungle asiatique, lorsqu'on cherche quelqu'un, il faut se séparer en groupe. Certes. Tu vas la mettre en veilleuse une seconde avec ton livre. Viens, je t'attends! Allez, viens! Qu'est-ce que t'attends?
Allez, viens! Viens me chercher! Viens là! Sida. 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 Ici unité H-Alpha, nous devrions atterrir d'ici quelques minutes. Est-ce que vous me recevez? Répondez! Hé! Hey, je crois que je le vois! Il est là, ouais! On pense qu'il se trouve dans la partie ouest. D'accord. Nous allons avoir plus de renseignements. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît, nous aimerions avoir plus de renseignements. Nous avons trouvé la montgolfière, effectivement. Donnez-nous quelques mais le terrain est très difficile d'accès. Il est déjà tard. On ne peut rien faire avant cette nuit. Est-ce que vous pensez que les recherches vont durer encore longtemps? Dites plutôt que vous comptez interrompre les recherches pour le moment. C'est inacceptable. Je vous accompagne là-bas, que ça vous plaise ou non. Peu importe que la nuit tombe. Mon équipe vous accompagnera. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ponksatorn. La montgolfière m'appartient. Une entreprise internationale privée m'a envoyé ici. Vous devez ignorer que les armes à feu sont interdites dans le parc national de Kohayai. Mais nous devons récupérer cette montgolfière. Vous acceptez que nous venions avec vous? Cela ne dépend pas de moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces armes n'ont rien à faire là. Je pourrais vous les confisquer. Veuillez vous en débarrasser. Ça tombe? Hé, Morgay! Vous allez trop vite, ralentissez la cadence. C'est encore loin? Plus que deux. 2 kilomètres? Plus que deux. Plus que deux? Plus que de quoi? Vous y comprenez quelque chose, City Chon? Non, pas vraiment, monsieur. Il s'agit peut-être d'une expression locale, c'est ce que j'en dis. Une expression? Vous vous payez ma tête? Essayons de ne pas froisser notre guide. Sans lui, nous aurions beaucoup de mal à nous repérer. Hors de ma vue! Entendu? Alors je passerai devant, hein? Je vais devancer notre chef! Vous pouvez rêver, Shootit. Vous marchez à mes côtés, mais en silence. Dites, Morgay, quand vous dites deux, c'est 2 kilomètres? Montagne. Hein? Il a dit 2 montagnes? Stick. Mon stick nasal. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? J'ai le souffle court. Quelle horreur de montagne, j'y arriverai jamais. Waouh! Je risque de mourir avant d'arriver là-bas. Tenez, monsieur. Respirez profondément. Il est vide! Allez, donne-moi l'autre! Je suis navré, monsieur. Tu vas rester toute la journée sans rien dire?
Laisse-moi seul, tu veux. Bon, écoute, mec. Je voulais juste que tu saches que Bray et moi, on se fait du souci pour toi. C'est de ma faute, j'aurais jamais dû venir. Aucun de nous n'aurait dû venir ici. La pauvre Zida n'aurait jamais dû venir ici. Marée humaine. C'est vrai. Le parc est assailli de toutes parts. On ne peut rien faire. Pardon. Encore vous ? Pardon. Vous n'avez rien à faire là. En fait, je suis... Bonjour, madame. Ce sont mes amis qui ont eu un accident en montgolfière. Laissez-moi vous accompagner. Il faut absolument les retrouver. Très bien, City Chun. Tu prends le micro et tu le gardes dans ta main. D'accord. Non, d'une seule main. Il ne faut pas cacher le logo de la chaîne. Enlève cette main. Bien, d'accord. Ensuite, tu regardes la caméra. Regarde l'objectif. Essaye de te concentrer. Tu dois convaincre le public. D'accord. Je compte sur toi. Allons, fais ton mieux. Faut bien tenir le micro. Tiens-le fermement. Hey, toi, tu peux sortir du cadre ? City Chun. Oui, tu d'accord. Peux y aller, tu peux y aller. Oui. On peut y aller nuit, c'est bon ? Ok, on y va. Ça va, City Chun ? Oui. On commencera après le compte à rebours, tu verras. Ça ira. D'accord, oui. 5, 4, 3, 2... C'est avec une immense joie que je vous retrouve ici pour... En tant que journaliste, je vous présente en direct... Attends. Abrège, ça va. Parle normalement, allez. Parle normalement. Parler. Bon, mais je parle comme ça d'habitude pourtant. Je vais vous dire sincèrement ce que je ressens et sans détour. Bonjour, chers téléspectateurs. Il me paraît évident que... Allez, droit au but, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous dites ? Droit au but ! Au but, j'irai, oui ! Au chiot, City Chun ! Choutit, prenez le micro. Tout de suite ! Allez-y, vous. Oui, monsieur. Lumière ? Vous pouvez aller vous rhabiller tous les deux. Votre journal tombe alors. Je viens de trouver ça, une caméra professionnelle. Dépêchons-nous! Allez, grappez! Faites un effort!
Montez! Vous arrêtez pas! Allons! J'avais mon revolver, je l'aurais déjà tué. On doit s'en aller. Pourquoi j'ai laissé mon revolver? Restons pas là, vite, cours, City John. Je ne vois ni morsure ni blessure. Son corps est entièrement recouvert d'une sorte de gélatine. Il l'a avalé avant de le régurgiter. Quel animal peut avaler ses victimes sans laisser de blessure? Pas la moindre blessure, c'est vrai. Quel animal étouffe ses victimes? Le serpent. Oh. Prévenez la centrale, je crois qu'on va avoir besoin de renforts. Entendu. Ça va aller? Doucement, Koé. Avance doucement. Fais attention. La rivière est juste là. On continue. Koé, s'il te plaît. Te fatigue pas, elle n'écoute rien. Koé, c'est par là. Si on continue à suivre la rivière, on finira par trouver un village. On devrait retourner vers ces grottes, certes. Peut-être que Kin est encore là-bas. Tu parles, on a passé toute la nuit là-bas. Il aurait dû réapparaître. On ne peut pas rester dans cette jungle. Prêt, regarde Koé. Il n'a pas l'air dans son assiette. Écoute, il faut absolument qu'on s'en aille. Et tout de suite. Koé, attends, fais attention! Kin. Certes, Kin est toujours en vie! Ce flingue. Ça va. C'est de votre faute. Est-ce que vous entendez? Zidane meurt à cause de vous. À cause de vous, vous entendez? Garde ton sang-froid. Koé, ça va aller. Donne-moi ce flingue.
Laissez-moi ce flingue! Vous allez reculer ou je tire! Laissez-moi tranquille! Koé! J'irai retrouver Zeda! Tout seul! Laissez-moi seul! Koé! Attends! Koé! Reviens! Koé! Merde! Koé! Essaie de le rattraper! Koé, reviens! Koé, attends! L'autochtone! Où est-ce qu'on va? Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Tu as déjà été payé. Tu t'en souviens? Tu sais bien qu'un de mes hommes est mort à cause de toi! Bon que ça tourne, je vais vous laisser crever ici! Comment oses-tu me parler sur ce ton, Sanagra? Hein? Encore un mot et je vous livre en pâture à ce poa! Vous entendez? Obéissez-moi ou je vous tuerai! City Chun, il rigole, là? Il doit être en train de plaisanter. Toi qui connaissais QTRE, hein, il rigole? Vous avez l'impression qu'il est en train de plaisanter? Eh bien, pas moi, monsieur. Je dirais même qu'il a l'air très sérieux. Ce n'est pas une jungle, mais un labyrinthe. On est presque arrivé. Si vous voulez que je vous conduise à l'entrée de la grotte, ça vous coûtera 5000 bahts. Hors de question. Monsieur, vous devriez faire très attention. Il pourrait vous tirer dessus sans sommation. Non, je ne suis pas un sauvage comme vous l'imaginez. Alors tu voudrais 5000 bahts? Tu oublies que je t'ai payé? Tu peux te gratter. Va au diable. Payez ou je vous tue! C'est bon. Même si je voulais te payer, je n'ai plus un centime en poche. Vous devez avoir une carte de crédit, n'est-ce pas?
Je suis dans la merde jusqu'au cou. Tout ça à cause de ce crétin de Kim. Tout ça pour récupérer ma montgolfière. Et je suis sûr qu'elle est désastreuse à l'heure qu'il est. Allons, ne rejetez pas la faute sur Kim, voyons. On peut savoir ce qui t'arrive. Tu prends sa défense, City John. Tu es encore plus bête que ce que je pensais. Il fait presque partie de votre famille, c'est le frère de votre maîtresse. Chut, silence. Il pourrait nous entendre, tu t'en rends compte? Ça va, tout le monde est au courant. Chut. Tout le monde sait que vous couchez avec la sœur de Kim. Comment ça va? On devrait avancer. Quel bout en train, ce City John. Croyez-moi, ce grand dadé est un comédien né. Il ne peut pas s'empêcher d'inventer des histoires tordues. Comme je suis pour la famille traditionnelle, City John essaie toujours de me provoquer avec ses blagues. Mais il faut bien en rire. Derrière vous. Ouais. Vous voyez, il est reparti. Il est con, celui-là. Il y a un serpent géant juste derrière vous. S'il s'approche encore, il va vous manger. Si ça ne vous dérange pas, je vais rejoindre les autres. Mon Dieu! Un serpent, entends-moi, c'était John! Courez! 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 C'était John! Hey! C'était John! C'était John, fais vite, viens! C'est bien la zone qu'on a vue hier après-midi. Affirmatif. Alors, où est la montgolfière? Peut-être emportée par l'orage. Avec l'averse, il est probable qu'elle soit tombée. Allez, réveille-toi! Vite! Allez! Attendez! Hé, attendez! Revenez! Attendez! On est là! Hé, attendez! Revenez! Hé, on est juste là! Hé, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'ils foutent, putain? Où est-ce qu'ils vont? Ils nous ont pas vus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je refuse de retourner dans cette jungle.
vous vivez dans la région? Non. Moi, j'habite à Takradan. J'ai vécu longtemps dans le village de Patong. Quand on voulait sortir du village, il fallait suivre la rivière pendant des jours, si le temps était clément. Une rivière dans cette jungle? Première nouvelle. Mais pourtant, il y en avait une. Oh, mais elle a dû finir par se tarir, vous savez. Quand j'étais jeune, je connaissais bien cette rivière. J'ai dû déménager. Quand le village a décliné, nous, les derniers habitants, on est allés à Takradan. Décliné, vous dites? On s'en est allé, on avait trop peur. N'allez pas chercher ces jeunes gens, gardez-vous-en. Il est trop tard. Patong, 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 Patong. Rien du tout. Voyons voir où est-ce que c'est. Cette vieille femme n'a plus toute sa tête. Aucune trace de ce village. Ça y est, j'ai trouvé. Je l'ai enfin trouvé. Ici. C'est le seul chemin à suivre. On n'a pas le choix. Vous en dites quoi? On n'a pas vraiment le choix. On devrait continuer. Ray, attention où tu mets les pieds. Si on coupait en allant tout droit, on irait plus vite. Suivez-moi. Attendez! Quoi encore, certes? J'ai perdu mon arme. Il faut qu'on retourne en arrière. Il faut que je la retrouve, vous entendez? On va la chercher. Venez! Tu l'avais sur toi ce matin? C'est ce que je croyais, ouais. Elle doit être dans le coin. Allez, tâchons de la retrouver. J'irai la chercher seule. C'est bon, on reste. Pas toi? L'herbe sèche est en train de me lacérer les mollets, ça me démange. Je veux rentrer à la maison.
Résiste, j'arrive. Il doit y avoir un village dans les environs. Comment tu sais ça? S'il y a un temple, c'est qu'il y a un village. Un problème avec l'hélice? On dirait, oui. Pas vrai. Regardez, vous avez vu ça? C'est un filet de pêche, ça veut dire qu'il y a certainement des gens dans le coin. Essaye d'enlever ce filet. On ne peut pas perdre plus de temps. Tu préfères qu'on reste caché dans le temple? Non. On doit trouver le village. On y sera en sécurité. On n'y arrivera pas à la peur au ventre. C'est entendu? Ray, c'est entendu? Hé! Hey, viens me chercher! Viens là! Allons! Viens me chercher!
C'est fini. Ça y est. Attendez, où est Watt? Un besoin urgent d'après lui. Watt! Watt, qu'est-ce que tu fabriques? Fais vite! Dépêche-toi! Watt! Watt! Quelqu'un devrait aller voir. On doit s'en aller, viens! Je vais le chercher. Quand il faut rester. Je reviens tout de suite. Watt! Watt, vous m'entendez? Ne nous attendez pas, on attend Coy et Watt. A tout à l'heure. A tout de suite. Mais où est passé Coy? Et votre bateau s'en va à Watt. Vous m'entendez? Coy, qu'y a-t-il? Montez vite à bord! Bon sang, c'est quoi ça? Non! Il y a quelque chose sous le bateau! Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a un problème. On va être à court d'huile ce soir. T'en fais pas, on va chercher une autre lampe, Nui. Il doit y en avoir d'autres dans la maison. Tu n'as qu'en chercher une. On ne peut pas passer la nuit sans lumière quand même. Vous perdez votre temps. Qu'est-ce que vous croyez? Ces serpents sont des animaux territoriaux. Ils ne rentreront pas dans la maison. Vous voyez, il n'est pas rentré à l'intérieur. Vous n'avez pas à vous en faire. Croyez-moi. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui vous assure que les serpents ne vont pas nous attaquer ici? Vous en voyez un ici? Hein? Vous en voyez un? Moi, je n'en vois aucun. Vous êtes pire que ces serpents. Pardon? On s'en va, Nui. Attendez, attendez! Ne me laissez pas tout seul ici! Thank you.
attendez. L'enfer, attendez-moi. Allez, vite. L'enfer, attendez-moi. Ils ne peuvent pas nous voir. Venez! Venez nous chercher si vous osez! Restez pas cachés, sortez! Venez nous tuer si vous voulez! Tu veux de la fermer? C'est ta faute! Tout est de ta faute, Keen! Tu as détruit ma montgolfière! Les gens meurent à cause de toi ici! Et tes conneries! Mais t'es là en veilleuse! Je m'excuse. Vous devriez avoir honte de vous, est-ce que vous m'entendez? Enfin, personne ne vous a demandé de venir. Vous devriez nous aider au lieu de nous enfoncer. Quelle honte! Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Vous êtes une poule mouillée. Ah, blablabla. Bouh! Il nous faut plus de bois. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, on... Écoutez, Ponxatorn. Vu que vous n'êtes pas disposé à nous aider, je vous conseille de vous tenir à l'écart. Il commence à me courir sur le haricot, celui-là. Rendez-vous utile, merde. Ici, Sansewu à Centrale. Nous avons repéré de la fumée. On va voir ça. Attendez, il y a 5 personnes juste ici. Mais on va avoir du mal à atterrir. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, vite! Attendez, j'arrive! Allez, vas-y, monte! Voilà, ça y est! Allez, lâche pas, tiens bon! Donne-moi la main! Vas-y, t'y es presque! Thank you.
Allez, Guine ! Baisse-toi ! Fais vite ! เธอจะไปด้วยกันไหมขอถามว่าเธอจะไปด้วยกันหรือเปล่าหนทางยาวไกลแค่ไม่เพียงใจก็พออยากบอกว่ารักรักเธอได้ยินไหมเธอมีคนใดLove
Terpien Kondir, la Kondir.